Bonjour, bonjour. Là, nous sommes à San Pedro, à la plage sur ce qu'on appelle ici les rochers de l'amour. Alors, vous voyez le panorama ici. Voilà, c'est un coin assez paradisiaque. Donc, nous sommes à San Pedro. Et ce matin, nous allons parler de Baby Doge. Je suis habillé en Baby Doge. Nous allons parler de Baby Doge. Alors, Baby Doge a lancé un vote par rapport à certaines préoccupations. Alors, ce vote-là, nous allons essayer un tant soit peu de communiquer là-dessus et vous expliquer ce qui se passe. OK? Alors, au départ, on nous avait demandé de voter par rapport aux 50 quadrillons à brûler. Alors, le vote a duré pratiquement un mois. Alors, cela a été effectif. Alors, il y avait toujours en cours d'autres informations, d'autres préoccupations qui avaient été lancées aussi, qui font aussi sujet de vote. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. OK. Et donc, revenons à Baby Doge. Il se trouve que, voilà, il y a ce qu'on appelle le Halving Day, qui a généralement, le nombre de réduction des bitcoins en circulation. Ces bitcoins qui sont remis aux différents, mineurs du bitcoin. Alors c'est un événement qui se produit chaque 4 ans, le halving du bitcoin, on appelle ça le halving day. Voilà, ça est dans le protocole bitcoin, alors cela se produit chaque 4 ans. Maintenant, il se trouve que Baby Doge peut essayer de, un temps soit, peut copier cela. Alors, en voulant copier cela, alors Baby Doge nous fait certaines propositions et c'est un sujet de vote. Alors, il demande à ce que le Halving Day de Baby Doge, alors en août prochain, alors il demande à la communauté qu'il souhaite brûler 2,5% et les peines aussi, passer aussi à 2,5%. Voilà, c'est à la communauté de décider. En 2023, alors ils veulent passer à la réflexion autour de 1,75 et brûler 3,75. En 2024, alors ils veulent brûler 4,25 et les réflexions seront brûlées à hauteur de 0,25. Voilà ce qui est dit par rapport à Baby Doge. Ça, c'est la première proposition. Maintenant, j'ai fait un tuto. Alors, ce tuto-là vous permet d'aller interagir avec le vote. Donc, vous pouvez aller voter. Alors, nous allons partir rapidement au vote et nous allons revenir continuer la vidéo. Ça vous envoie ici. Voilà. Une fois que vous êtes ici, voilà, vous avez les différentes propositions qu'on vous fait ici. Voilà. Là, c'est le Halving Day. Voilà. Donc, généralement, c'est un phénomène qui a lieu sur le Bitcoin. Voilà, c'est un phénomène qui se passe uniquement sur le Bitcoin. Alors, on vous dit ici que Baby Doge a essayé de copier ça un peu pour réduire son offre. Alors, on vous demande si vous êtes d'accord pour qu'on puisse faire cela. Alors, ils vont en août prochain réduire l'offre de Baby Doge ici. Ils vont réduire les réflexions de 2,5% et puis les bains de 2,5%. Ensuite, l'année prochaine, 2023, alors, le jour des Halving Day de Baby Doge, alors ils vont réduire les réflexions de 3,75%, ok, et les burns de 1,75%, et les burns de 3,75%, les burns 1,75%, les réflexions. Alors l'année 2024, l'année Halving, alors ce serait 4,25% pour les burns, 0,25% pour les réflexions. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà. Et puis maintenant, en 2025, totalement, il n'y aura plus de burn. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, moi, je suis d'accord. Je clique ici. Ici, je clique sur oui. Voilà. Quand je clique sur oui, je viens ici, voter. Alors, on me demande ici, je choisis quoi? Alors, je choisis Trust Wallet. Alors, je me connecte à mon portefeuille. Une fois que je suis connecté à mon portefeuille, je viens encore cliquer sur voter. Voilà. Donc, quand je suis connecté sur mon portefeuille, j'ai cliqué sur oui déjà. Alors, je viens cliquer sur voter.
Alors, ils vont prendre 11, voilà, ils vont prendre 11 baby doge. Alors, vous cliquez sur voter. Voilà, mon vote vient d'être enregistré. Très simple comme bonjour. Donc, pour toutes les autres options, c'est la même chose que vous faites pour pouvoir faire le vote, tout simplement. Voilà, donc pour la série dessin animé, moi aussi je vais voter pour ça. Ou aussi, comment on appelle, l'autre côté, concernant les votes, concernant se débarrasser de tout, toutes les réflexions ici. Bah, et ça, c'est le deuxième qu'on te demande. Voilà, se débarrasser, parce qu'ils ont déjà fini avec les 50 quadrillons. Ça, tu vois, close, c'est fini. Alors, créer un dessin animé pour les enfants, je vais voter pour ça. Et puis aussi, le plus gros même, c'est se débarrasser ici, là. Se débarrasser de toutes les réflexions. C'est-à-dire que toutes les réflexions qu'on doit donner, là, on vous dit ici que si vous êtes d'accord, alors on va annuler les réflexions pour prendre ça, les 5% pour les réflexions, 2,5% automatique et 2,5% qui est manuel. Là. Tout ça, on annule. Les réflexions 5% qu'on donne au holder et ça va aller s'ajouter sur les 2,5% automatique et 2,5% manuel. Alors, ça fait 10% qu'on va brûler. Alors, vous allez voir que Baby Doll va valer des millions de milliards. Là. Ils vont les brûler peut-être chaque semaine. Alors, ce qui va réduire drastiquement l'offre en circulation. Alors, Binance pourra le lister peut-être avec un 6 euros après la vue. Et tout le monde est gagnant. Donc, votez oui. Donc, voilà, ça, je fais ça pour vous ici. Je vote oui. Je clique ici sur voter. 12 baby dolls qui seront déduits de mon portefeuille. OK. Je clique ici. Ils vont m'envoyer ici. Voilà. Vous voyez, mon vote a été enregistré. Voilà. Ils vont déduire ça de mon portefeuille là-bas. Et puis aussi, ils vont prendre aussi les Binance Smart Chain. C'est pas beaucoup. Voilà. Donc, on dit mon vote a été enregistré avec succès. Voilà. Donc, voilà simplement comment on vote. Voilà. On vient de faire, notre vote. Vous avez vu le tutoriel. Alors, ce tutoriel-là vous montre comment vous pouvez voter. Vous choisissez, la destinée que vous voulez donner à votre pièce. Alors, la deuxième proposition que Baby Doge a fait, alors, c'est la création d'un dessin animé, voilà, une série de dessins animés pour les enfants. Alors, Baby Doge demande à ce que les gens puissent voter, voilà, pour cela. Alors, vous pouvez aussi aller voter pour cela. Moi, j'ai déjà voté pour les trois propositions. Voilà. Et la proposition même qui est la plus intéressante, alors, c'est la proposition d'annuler tout ce qui est réflexion. Vous savez bien que Baby Doge donne 5% au holder, 5% est brûlé. Alors dans les 5% qui sont brûlés, il y a 2,5% qui reviennent directement, dans la brûlure automatique. Alors 2,5% est récupéré et brûlé manuellement. Cela se produit généralement chaque premier de chaque mois. Okay? Donc il se trouve que Baby Doll, je vais annuler carrément les réflexions. Alors ils vont prendre les 5% pour les réflexions qu'on donne au holder, ils vont cumuler cela sur les burns automatiques et les burns manuels qui font 5%, alors ça va passer à 10%. Alors Baby Doll demande à la communauté de voter. Alors si vous choisissez de voter et que vous choisissez cette option d'annulation des réflexions, cela signifie que dans vos différentes presse, vous voyez souvent vos Baby Doll augmenter, vous n'allez plus avoir ça. Mais la contrepartie, c'est que Baby Doll va brûler beaucoup de pièces. Alors, chaque mois, on attend que Baby Doll brûle 3 millions de milliards. Alors, ce sont des événements qui pourront se faire par semaine. Pourquoi? Parce que ce qu'on devait vous donner, tout ça sera brûlé maintenant et ça va réduire l'offre. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent que si ça réduit l'offre, alors Baby Doll pourra se lister sur des grands échangeurs tels que Binance. Voilà ce qui est dit. Alors, nous soutenons cette proposition. Voilà. Et donc, nous avons cette information. Alors, nous donnons ça à la communauté pour que vous partiez voter massivement sur tout ce protocole d'annulation qui est lié aux réflexions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur tout ce qui concerne Baby Doge. Voilà, je suis appuyé à l'effigie Baby Doge. Je suis avec l'un des leaders au niveau de San Pedro, qui est le leader Sengo. Alors, Sengo,
Nous sommes à la plage, nous avons fait cette vidéo là juste pour dire aux uns aux autres que voilà, San Pedro, voilà, c'est une valeur sûre. Alors, concernant par exemple Baby Doge, quelles sont tes impressions concernant Baby Doge? Est-ce que c'est une monnaie qui mérite notre attention? Baby Doge, vraiment, effectivement, est une monnaie qui mérite notre attention. Nous devons massivement holder et croire en l'avenir. Voilà, donc voilà ce que le leader Senghor vient de nous dire. Alors il croit en ce projet, alors lui aussi il va aller voter pour que Baby Doge puisse annuler tout ce qui est réflexion. Alors il faut laisser un pour prendre un autre. Alors quand nous allons abandonner le côté réflexion, ça fait mal souvent, mais c'est plus important de brûler la pièce. Vous savez que Baby Doge a lancé près de 420 quadrillons. Alors 420 quadrillons, c'est comme si l'offre initiale de Shiba, c'est comme si l'offre initiale de Shiba a été multipliée par 420 fois. Donc vous constatez là que Baby Doge est, c'est-à-dire que l'offre est énorme. Alors vous voulez être millionnaire et milliardaire avec cette monnaie-là, allez rapidement voter, parce que si vous votez, on va annuler ce qu'on vous donne en bonus, en réflexion là. Alors on va augmenter sur le burn. Alors si on augmente ça sur le burn, on va brûler beaucoup de pièces. Alors au lieu d'attendre jusqu'en 2030, 2040 là-bas pour voir un Baby Doge, et peut-être 2026 pour voir un Baby Doge avec 4-0, alors peut-être que cet événement va arriver très tôt. Vous n'aurez pas à attendre peut-être jusqu'en 2026 pour voir Baby Doge avaler 4-0. Alors peut-être cet événement peut arriver tôt si on a tous voté et qu'on annule les réflexions dès maintenant. Voilà l'objectif qui est à prendre en considération. Parce que si Baby Doge ne brûle pas assez, alors il va mettre du temps pour arriver où il va arriver. C'est vrai que le Bitcoin est un impulsable. C'est-à-dire que le Bitcoin impulse aussi le marché. Le Bitcoin donne, on va dire, son impulsion au marché parce qu'il représente plus de 41% de l'offre du marché. Alors, on sait que d'ici l'halving prochain qui est pour 2024, alors le nombre de Bitcoin en circulation sera réduit. Le nombre de réflexions qu'on donne, on va dire, aux mineurs sera réduit de moitié. Alors, le prix du Bitcoin va exploser juste un an après. Alors, c'est vrai que ça va exploser. S'il se trouve que la communauté Baby Doge, qui a plus de 1 500 000 holders, aussi vote et on annule les réflexions, alors Baby Doge va aller très très loin. Alors il risque de surprendre plus d'un. Alors il risque de nous surprendre tous, de permettre à ce que nous atteignions cet objectif rapidement, un Baby Doge à 4-0 ou à 5-0 pour être listé rapidement sur Binance. Le chiffre a été listé avec 5-0 sur Binance. Alors Baby Doge aussi, aidons Baby Doge aussi à atteindre rapidement les 5 € pour qu'il soit listé sur Binance. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin concernant Baby Doge et tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Et comme je le dis, nous sommes à San Pedro. Voilà. Et donc, pour la prochaine édition au niveau de San Pedro, voilà, vous allez contacter le leader Senghor qui est là et le leader Tevi Joseph qui est absent. Voilà, pour les différentes inscriptions pour la deuxième édition au niveau de San Pedro. Voilà, Dida, tu peux donner ton numéro. Voilà, je suis au 007 47 01 29 13. Voilà. Second numéro 05 06 91 04 95. Voilà, et donc il vient de vous donner le numéro. Vous pouvez le joindre et comme aussi, on va laisser son numéro dans la description de la vidéo. Lui et le leader Thierry Joseph, que vous avez vu dans l'autre vidéo aussi. Voilà, donc vous allez rentrer en contact avec pour la prochaine édition au niveau de San Pedro. Tous ceux qui sont à Sassandra, Soubré, alors vous pouvez rentrer en contact avec lui ou Thierry Joseph pour pouvoir faire vos différentes inscriptions afin que nous soyons nombreux à la prochaine édition. Ok, pour la formation au niveau d'Abidjan, c'est avec le leader qu'on appelle Bill, et le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abidjan, n'oublions pas que c'est le 13, le 14 et le 15 août prochain. Alors, rentrez rapidement en contact pour que nous soyons ensemble pour cette formation. Voilà, la formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le leader Yapi que vous devez interagir. La formation au niveau de Man, c'est avec le leader qu'on appelle, le leader qu'on appelle Niawa, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau de Man. Alors, cet événement aura lieu le
le 3 et le 4 prochain, voilà, le 3 et le 4 septembre prochain, afin que voilà, nous soyons à Mans pour interagir avec tous ceux qui sont dans la zone de Mans, Biankouma, voilà, Diokwe et tout ça. Voilà un peu. Maintenant, la formation internationale au niveau de Ouagadougou, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle, Faustin, que vous devez interagir. La formation au niveau de la zone de Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Ok, donc nous pensons que nous avons cité tous les représentants. Oui, il manque celui de Korogo. Alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Djedje que vous devez interagir. Et en international, avec le grand leader qu'on appelle Mama, au niveau du Sénégal, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Nous venons de nommer tous les représentants, ceux qui n'ont pas entendu leur nom, ou bien qui doit, souhaite, ceux que vous souhaitez avoir aussi les numéros, alors vous allez avoir ces numéros dans la description de la vidéo. La formation au niveau de Boaké, alors c'est moi-même qui donne cette formation, alors vous rentrez rapidement en contact pour qu'on puisse organiser aussi la formation au niveau de Boaké. Voilà, nous venons de boucler comme ça la formation au niveau de San Pedro. Alors c'est une formation qui a été très intéressante, vous avez vu les différents témoignages. Alors tout ça, ça nous donne l'envie de revenir pour essayer de donner la quintessence des informations afin que chacun d'entre nous puisse profiter de tout ce qui est l'écosystème des crypto-monnaies, afin que vous puissiez, à tout moment, qu'on soit en hausse ou en baisse, vous puissiez interagir avec le marché afin de pouvoir tirer. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Voilà. Et donc, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance.